Allez, bonjour tout le monde, et ici Cénandron pour le sixième épisode de mon Let's Play sur l'acte 2 de Age of Empires 3, complète collection. Allez, on est reparti, on va changer la partie quand même. Hop, c'est reparti. Attendez, un peu le bordel sur ce bureau. Allez, c'est parti. Donc, la dernière fois, voilà, c'est ça, je me souviens, on devait faire quoi? Ah oui, passer à l'âge de forteresse et construire une fonderie d'artillerie. La fonderie a été faite, il fallait que je passe à l'âge des forteresses. Bon, on va le faire maintenant. Deux flibustiers et un corsaire. Il y a moyen qu'on ait pas mal besoin des navires. On va demander les navires. Hein. Ça coûte rien. Avec ça. Ok, t'es la seule qui fout rien. 31 sur 60. Peut-être te demander des logements supplémentaires. À la nourriture, ils sont 10 sur 10. Là, ils sont 7. Alors, qu'est-ce que je peux demander? Bah, je vais demander les... Dès qu'on passe à l'âge 3, je demanderai des fauconneaux. Indispensable. Alors, avec ça, on sera bon. Avec ça, on sera bon. Ils ont 7 et la 7. Et que je demande des colons supplémentaires pour le bois. Parce que je suis toujours un peu à la ramasse. Je vais essayer de monter à 100 au niveau de la population. Comme ça, on sera tranquille. Allez. Plus vite que ça. Hop. Et la dernière. Ok, l'âge des forteresses arrive. Il faudrait qu'on s'occupe des unités militaires aussi. Il faudrait plus de bois d'ailleurs. Du coup, est-ce que j'aurais des trucs à construire? Les plantations, c'est pas pour tout de suite parce que j'ai encore de l'or. L'arsenal, à la limite. Donne des améliorations. À faire l'écurie quand j'aurai assez de bois. Détruisons les avant-postes de la garde des reliques avant l'arrivée de mes navires. Des unités terrestres assiégeront les avant-postes de la garde qui bordent ce grand lac. N'oubliez pas les canons. Ok, d'accord. J'ai pas tout compris. Il faut que je détruise les avant-postes, c'est ça? Détruisez les trois avant-postes. Ok, faut que je m'occupe des avant-postes. En plus, j'ai un navire. Rising Sun. Alors. Bon bah je ferai arsenal plus vite. Hop, au bois. Ici, je veux plus de nourriture, mais par contre il va falloir beaucoup plus de bois. Qu'est-ce que je peux faire? Champ de vision du bâtiment accru, je m'en fous. Champ de vision de l'unité accru, je m'en fous. Point de vue des murs accrus, je m'en fous aussi un peu. Non, le colon, je vais garder. Voilà. H4, c'est 2000 et 1200. On n'est pas arrivé. Écurie, il n'y a pas assez. Là, par contre, on va demander des trucs sympathiques. Les Ulan. Il faut une écurie. Ah oui, mais zut. Je dois améliorer ça. Ouais, et puis non, en fait, il y a largement assez de nourriture. Pour l'instant, ça va, nickel. Demandez des écuries pour que je me fasse des Ulan améliorés. Ce sont quand même des bonnes unités. Plus assez d'or. Il est possible que j'ai besoin de plantation, du coup. Bon, pas tout de suite, mais ça sera possible. Ah, bah voilà. Mes Ulan. Donc j'ai quoi? J'ai des mousquetaires. Faudrait que je fasse des mousquetaires vétérans. Les fauconneaux, il faudrait l'H4 pour améliorer. Ça faudrait que j'améliore tout, mais j'ai largement pas assez de bois. Des Ulan, non. Je voudrais faire des Ulan vétérans. À la limite, je fais un marché. Hop, je vais mettre ici en plus. Il y a des gardiens du trésor ici. Bon bah va chercher le trésor. Ça fait 150 pièces.
C'est largement assez. Ok, il y a de l'or et même un village. C'est un village quoi? Je suis trop loin. Hop. Alors, du coup, ici, on va pouvoir... Bah, la scie alternative, c'est bien, ça les amasse le bois plus vite. On va pouvoir acheter du bois. Ce qui pourrait me servir à améliorer ces merdouilles. Il me faut énormément de bois, quoi. On va vendre de l'or, enfin de, on va vendre de la nourriture. J'ai vraiment pas assez de bois quoi. Vous êtes combien? 9? Ok, d'accord. Avec 9, ils ont pas assez de bois quoi. Il restera celle-là d'amélioration, 300 de bois. Et UN vétéran. Bon, avec ça, on devrait déjà avoir pas mal de choses. On va commencer par celui-là. C'est britannique? Ouais. Voilà. Alors, on peut améliorer ça. Reste les Ulan, c'est bientôt. Hop, plus de bois. Est-ce que, voilà, vous pourrez amasser le bois plus vite. Alors, Ulan vétéran, ça y est bientôt. Voilà, ça y est. Ulan vétéran, donc. Hop, un dernier ici. Ce que je vais demander, c'est des bellicistes, allez. Bellicistes vétérans, c'est H4. Non, c'est les gardes bellicistes. Ok, ils se sont fait défoncer. C'est plutôt bien. Il faudrait quelqu'un de plus alors. Parce que je remarque que ça monte pas très vite non plus. Je vais m'en occuper. Donc les bellicistes arrivent. Normalement, toutes les améliorations sont presque finies. L'engrais artificiel, tiens, hop. Avec ça, je pense qu'on aura un minimum pour commencer à attaquer. On va y aller par ici. Parce que là, du coup, assez zéro quoi. D'accord. Là, il y a quoi? 320 d'expérience. Voilà. Boum. Boum. Et merde, j'ai attaqué les gardiens. Hop, on va s'occuper... Ah, il y a celui. On va s'occuper de ça. Ensuite, je pense qu'on pourra s'occuper du saloon. Voilà. Vous, occupez-vous du saloon. Je vais demander... encore un Fokono. En avant, vers le deuxième avant-poste. Comment ça, les renforts de Washington? Nickel. Des mousquetaires vétérans. Ça va bien te servir. Allez pas trop loin, vous. Là, on a un problème. Voilà, c'est ça. Oh, j'ai perdu pas mal du LAN. Hein. Hop, elle va sonner tout le monde. Ready. Be aware. Fire. Foster.
Hop, toi au bois. Alors, le Focono. On va ramener le Focono ici. Là, il y a quelqu'un qui m'attaque. Renegado. Voilà. Alors. Vous êtes inactif. En fait, il y a trop de monde au bois, du coup. Ils se battent un peu. Alors, vous, si vous pouviez... Oula, merde. Voilà. Nickel, maintenant je vais vous défoncer le centre-ville. Annoncer les chariots de guerre. Alors vous, vous avez plus rien à faire. Plein d'archers anglais, il faut vite éliminer le centre-ville. Ah, c'est peut-être pas le centre-ville là du coup. Attaque le centre-ville. À la limite, vous pouvez rentrer directement dedans. T'es où? Nonaki, cherche Nonaki. Essaye de remonter les points de vie d'un peu tout le monde. Vous pouvez pas attaquer. Et pourquoi ils sont super lents dès qu'il s'agit d'attaquer quoi. Ok, le centre-ville c'est fait. La caserne, on va la faire. Après, on va reculer parce que là on se fait attaquer par l'avant-poste frontalier. Voilà. Passer en mode mobile, on va essayer de s'attaquer plutôt à celui-là. Voilà. Alors là, les chariots de guerre, ils arrivent. Je vais refaire... qu'est-ce que je peux faire? Bah, améliorer. 10 mousquetaires. Ça peut m'être utile, ça. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, des 5 culanes. Vous pouvez pas passer en mode mobile, vous. Empêchez tout le monde de bouger. Envoyer des moyens de transport. Ah bah voilà. Utilisons-les pour attaquer la base reculée. La base qui est là-bas. On va l'attaquer. Ouf. Alors. Est-ce que vous pourrez trop centrer dedans? Ah ouais. Bon, par contre, je dois pas perdre ce bâtiment. Sinon, je suis dans la caca. Voilà. On va mettre un petit régène pour tout le monde. Et ils vont s'occuper de ce bâtiment. Nous, on va s'occuper de celui de là-bas. Oh, il y a des cygnes. Et des canards. Mais soyez pas aussi lent là, vous pouvez attaquer maintenant. L'avant-poste frontalier qui se prend une grosse branlée. Voilà. Dissuader la flotte ainsi que le centre-ville de Warwick. Sérieusement, il est tout là-bas le centre-ville quoi. Bon, la flotte, à la limite avec cette grosse armada que j'ai, ça doit aller. C'est l'heure. Rassemblez tous mes navires. Toute la flotte va frapper Warwick. Là, faut se méfier parce que c'est maintenant qu'arrivent les membres du cercle qui sont quand même un peu plus hardcore. On va avancer doucement. Enfin, je pense qu'avec tout ça, ça doit aller. Quoique je suis un ingénieur industriel, je pourrais améliorer mes unités. On va améliorer les Focono.
On va améliorer les mousquetaires, les bélicistes. Non, on peut pas les bélicistes. Les Ulan, on peut pas, j'ai pas assez d'or. Allez, c'est presque le cas. Ouais, je me sentais bien. Oh la vache. Là, ça va être dur. Là, il y a beaucoup de mousquetaires. Oh la vache. Tiens, là, Nonaki. Tu vas essayer de régénérer un peu tout le monde. Oh la vache. Deux mortiers à la limite, ok. Voilà. Là, on élimine pas mal. Là, on voit que ça arrive. Hein. J'ai perdu énormément d'unités. Archer anglais vétéran, je comprends mieux. Oh la vache. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'unités qui arrivent. Ah vache, j'ai encore perdu un chariot. Voilà. On va essayer de régénérer un peu. Ils sont vraiment beaucoup là. Hop. On va s'occuper de la caserne. Oh là là. On va défoncer la caserne. Allez, c'est bon. Ah, ça, ah, c'est bon. Normalement, vous êtes assez près. Ouais, ils peuvent défoncer le centre-ville. Alors, par contre, faut se méfier. À moins qu'ils attaquent. Faut que je regarde bien. Ensuite, on s'occuperait de la flotte. Ah mais ils peuvent me tirer dessus d'ici. Ok, c'est bon, le centre-ville est fini. D'accord, vous avez plus d'or. Et merde. S'en fout. Pas le moment. Concentrons nos forces sur sa marine. Voilà. Nickel. On va essayer de s'occuper du bar maintenant. La vache, tout ce que j'ai en fait. De fou. Nickel. Bon bah à ce niveau là c'est bon. Bah, c'est nickel. On va pouvoir attaquer avec ça. Avec tout ça. Normalement ils se débrouillent plutôt bien. Ils devraient pas avoir de problème. Hop. Là, le navire, c'est fini. Wow. Hop, on va défoncer ça. Le Marie-Rose, c'est terminé. Allez, hop, prochain navire. Ah, j'ai plus que deux canons de campagne quand même. D'accord, mais normal, il y en avait un autre qui me tirait dessus. Hop, le dernier.
Ah, en plus ça fait 20 minutes. Attendez, je vais le garder 2 secondes parce que là on arrive vraiment à la fin. George se fait défoncer. Ça y est. Travail. Les forces de Warwick sont vaincues. Mais il semble qu'il ait fui. Ouh, bah dis donc, gagné. Ça a été un peu hardcore quand même, la grosse bataille. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'unités. Ça n'a pas été facile. Bon, c'est pas grave, on a réussi. Hein. C'est pas un problème. Stuart. Oh bah il est mort. C'est votre oncle. Je l'emmène là où les autres sont morts. Non. Je m'en charge. Warwick n'est pas loin. Il va vers l'ouest par les plaines. Hâtons-nous et nous le rattraperons. Nonaki doit rentrer. Ça va mal finir. Je ne veux pas qu'elle voie ça. D'accord. Vous êtes au courant pour nous. Non ? John Black ? J'aurais préféré un autre mari pour ma sœur. Quelqu'un de plus... stable. Mais c'est elle qui décide. Je ne me mettrai pas entre vous. Bon. Normalement, c'est fini. Voilà. Ok, bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !